Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ouverture d'un cylindre Kaba 8 fourni par Ocam. Donc le Kaba 8, hein, comme son nom l'indique, 8 goupilles, 4 de chaque côté. Donc cylindre qui est très long à ouvrir en pur GG. Hein, donc un peu de raclage au début pour commencer à descendre les goupilles. Hein, autrement, je vous ferai une vidéo qui sera interminable et ça serait pas marrant. Voilà. Donc là, ça permet de descendre un petit poil les goupilles. Elles sont pas encore tout à fait toutes en place, mais on est bien avancé quand même. Il n'y a pas de clic ou de truc de spécial. Hein. Le rotor a un petit poil tourné, mais c'est tout bon. Voilà, maintenant, partie d'attache avec un outil fait maison. Hein. Donc on tâte tout doucement chaque goupille, et dès qu'on a une petite résistance, on enfonce d'un petit poil. Hein. Voilà, c'est la technique. Alors c'est très chiant, ça peut être très long. Mais c'est comme ça que ça s'ouvre le Kaba. Un peu comme le T60, hein, mais avec beaucoup moins de réaction. Voilà, donc je palpe alternativement les goupilles à droite et à gauche. Hein, avec cet outil, ça me permet de le faire sans changer de position. Hein. C'est quand même plus pratique. Ouais, j'ai eu un bon clic là. Alors faut se méfier des bons clics hein, parce que des fois on pousse la goupille trop loin et il y a rien qui se passe. Donc on cherche comme d'habitude hein, une goupille qui est un peu plus dure que les autres. Voilà. Et là il n'a pas l'air de se passer grand chose. Alors le problème aussi avec ce genre de cylindre c'est qu'on a tendance. Enfin, des fois, il y a une goupille qui est un peu trop loin. Hein. Donc là, il faut faire un petit relâché pour essayer de faire revenir la fautive. Voilà ce qui se passe. Je relâche un petit poil. Et je retâte. Donc on sait que ça devient bon quand les goupilles deviennent toutes dures. Hein. Au bout d'un moment, il y en a certaines qui sont vachement dures. Il y en a plusieurs. Il ne faut pas essayer de les enfoncer plus. Hein. Voilà, pour trouver la bonne. C'est fait.